Ok, avant de commencer, pour avoir la recette par écrit, vous avez juste à cliquer sur le nom de la recette pour avoir la version par écrit. To have the writing version, you just have to click on the name of the recipe and the writing version will appear. So it's very simple, but we need to know. When we don't know, we don't know. So click on the name of the recipe and the writing version will appear. And this is a very, very good recipe. I made it taste to people who really like chicken liver pâté. I really wanted to know if it was the right recipe, if I had to change. You know, I like really to have the right recipe before I share. And they loved it. They told me really it's amazing. Donc, it's a nice idea. You spread it on a piece of bread with a nice salad. Now it's very hot outside. We don't want to all the time eat heavy. So it's a very nice recipe for that. C'est une très très bonne recette. Je l'ai faite goûter à des amateurs de pâté de foie de poulet et ils ont adoré. Voilà, c'est parti, je vous laisse découvrir la recette. On va mettre une belle quantité d'huile dans notre poêle. We're gonna put a nice amount of olive oil or peanut oil or grapeseed oil, maybe 5 tablespoons. And we're gonna cut a lot of onion. On va couper au moins 3 oignons, 3 gros oignons. Et on va bien les faire caraméliser, bien les faire revenir. We're gonna cut them as thinly as we can and we're gonna caramelize them at medium-low heat until they are all softened and caramelized. So we don't need to fry them at high temperature. On a besoin de les faire revenir à forte température. On ne veut pas qu'ils croustillent. On veut juste qu'ils caramélisent. Caramélisent, mais mous. On veut leur donner de la couleur sans leur donner de la texture. We want to caramelize them without crunch. Without crunch. So we put the fire very high to drop them in. And then we reduce the fire at medium. And we take them, we leave them time to soften and to get this nice brown color. On met le feu à fort juste pour les verser et après on réduit le feu à feu moyen et on leur laisse le temps de prendre leur couleur et de se ramollir. Tranquille. Donc ça devrait prendre 10 à 12 minutes, je pense. 10-12 minutes, it should be. By clicking on the name of the recipe, you can have the writing version. Vous cliquez sur le nom de la recette, vous allez voir la version par écrit, d'abord en anglais, puis en français. Ça y est, ils ont la texture et la couleur. It has the texture that are all softened, they are well brownish. I mix them all the time for these 10-15 minutes and I scrub down the residue
j'ai bien gratté le fond de la poêle. Je suis venue toujours pour remuer. Si ça chante un petit peu trop, vous baissez un petit peu votre feu. If you see that it's singing too much, so you put down a little bit your heat. But now they are really perfect. I don't want them more than that. We're gonna drop in and evaporate some cooking wine. On va évaporer un petit peu de vin rouge de cuisson. J'ai remis la température à forte, juste pour lancer le vin. I put the temperature higher just to pour in the wine, and I will reduce it just after. Et on va mettre like 4 tablespoons. Cuillères à café. Là, la température est forte, juste le temps de bien mélanger. The temperature is high, just to combine it. On va y mettre un tout petit peu de poivre du moulin, fresh ground black pepper. And we're gonna go take care of the chicken liver. Alors, soit vous les faites au barbecue comme ça, soit vous prenez le chalumeau et vous les brûlez au chalumeau. Je sais pas en France si vous avez besoin de les cachériser, but us, we need to put them on open fire for it to become kosher. And I know that in America, this is the rule, there is no other choice. So either you do it on the barbecue, either you do it with the torch. We put salt and pepper, just a little, and then we will, and we let them kosherize. We just flip them. To tell you the truth, they are ready to eat just like that. Ils sont prêts. Oh là là, qu'est-ce que ça sent bon, mon Dieu. Ils sont prêts à manger juste comme ça. Mais bon, on va essayer de finir la recette avant qu'il n'y en ait plus. Si vous le faites au barbecue, c'est vraiment leur donner 30 secondes, 30 seconds on each side. And that's it. It's really 30 seconds on each side, 30 secondes sur chaque côté, parce que maintenant je vais les faire frire aussi. Et si vous voulez ne pas les faire frire et continuer la recette juste comme ça, donc vous les laissez 1 à 2 minutes de chaque côté qui cuisent bien avant de les passer au 1, 2, 3. If you just want to make them like that and not fry them like I'm gonna do right now, you leave them 2 to 3 minutes on each side and you pass them directly to the food processor. Now, on met un petit peu d'huile dans notre panne. Alors encore une fois, on va mettre 4 à 5 cuillères à soupe. 4 to 5 tablespoons. Il y a plein de façons de faire le pâté de foie de poulet. Il y en a qui mettent des pommes, il y en a qui mettent des noix. Moi, je l'aime vraiment le plus simple possible. Really, I like it the most simple way. But there is people who put some apple to it. There is some people who put some walnut. I know that there is many, many ways to do your own pâté, your own chicken liver pâté.
je vais remettre encore un petit peu de vin rouge. Encore un peu de sel et poivre. Mais pas beaucoup parce qu'on en a mis au moment de la cachérisation. On va laisser le vin rouge évaporer. We're gonna let the red wine evaporate. I add another time some red wine with salt and pepper. And just that the red wine completely evaporate, and we're gonna pass them to the blender. Okay, j'ai passé toute la mixture là et on va attendre que ça refroidisse avant de mixer. I put all the two ingredients here and I'm gonna wait just a little that it cool down before mixing it because it can become a puree and we want it a little bit chunky. So just let it cool down for 10 minutes before mixing it. J'ai vraiment laissé complètement refroidir. Comme ça, je suis sûre que ça va pas devenir de la purée. I really let it cool down completely for an hour as I'm sure that it's not gonna be puree. It smells so good. Yeah, I don't like that. But it smells so good anyway. You know these things that it smells so good, but you still don't like it. Alors, you don't want to overmix. It's nice to have just, you know, some bite to it. It sounds crazy what I'm gonna do. Ça va paraître peut-être un peu faux, mais on va mettre de la confiture de figues. On va l'étaler sur un bon morceau de pain. On va prendre du pâté. On va l'étaler sur la confiture de figues. Some more little dollar. Of figs. Some decoration. I took the leaves of the fennel. C'est magnifique. Voilà, c'est juste nothing else to say. For those who like chicken liver pâté, cavette katsus. Une bonne pincée de poivre du moulin.
and you don't need nothing else. If you click on the name of the video, you have the writing version. Si vous appuyez sur le nom de la recette, vous allez avoir la version écrite. Et voilà. I'll see you very soon. Ciao, ciao.